En 2013, les industriels français de l'aéronautique et du spatial mettent le paquet pour attirer les jeunes dans leur métier. En parallèle du traditionnel forum des métiers, ils mettent en scène les multiples opportunités de carrière offertes par cette industrie. Ils organisent sur le tarmac de l'aéroport du Bourget un lieu de rencontre et d'échange en forme d'avion. C'est un avion qui est fait de différents postes de travail, de bureaux d'études ou de fabrication, avec des opérateurs, des ingénieurs, des techniciens de nos sociétés qui, en situation réelle, vont faire des démonstrations auprès du public et dialoguer avec tous les jeunes ou moins jeunes qui seraient intéressés par rejoindre cette aventure qui a commencé il y a plus de 100 ans et a devant elle encore de très très longues et très très belles années. Oui, notre industrie a recruté ces deux dernières années près de 15 000 personnes par an, c'est considérable. C'est une part importante, presque 10% de ses effectifs. C'est un paradoxe, mais dans certaines spécialités techniques, d'ingénieurs ou de personnel d'atelier, il nous arrive, même en France, d'avoir un petit peu de mal à recruter. C'est quand même paradoxal, même quelque part inacceptable, d'avoir des emplois en nombre important et d'avoir quelquefois du mal à les satisfaire, même dans des zones à haut niveau de chômage.